Sudel adorait la mer. Je me souviens, une semaine avant sa mort, il a fait un cauchemar. Son bateau chavirait, il y a eu des vagues qui le transportaient, il a été secoué à droite, à gauche, qu'il était... Enfin, vraiment, il a vu sa mort, en fait. Il avait rêvé sa mort. Il avait raconté ça à tout le monde le samedi d'avant. Aujourd'hui, je n'ai pas fait mon deuil de la mort de Sudel. Je ne sais pas si on peut faire le deuil de quelqu'un. Sudel, je le vois. Je le vois, je l'entends. Je le vois quand il essaie de rejoindre cette île qu'il aimait à la nage et qu'il se demande pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi il est là. Et cette image me hante et je n'arrive pas à l'enlever de ma tête. Je voulais le faire revivre à travers la pierre. J'ai peur aussi d'oublier son visage, parce qu'on oublie les visages. Être la fille de Sudel Fuma, c'est avant tout une fierté. Donc par rapport déjà au personnage, ce qu'il représente, et aussi par rapport à l'homme qui était mon papa et qui, pour moi, est la place la plus importante dans ma vie puisque c'est un repère essentiel, c'est mon modèle. Il était important pour lui de savoir d'où on vient pour mieux avancer dans la vie, pour ne pas souffrir d'une quelconque culpabilité par rapport à notre histoire. Il ne voulait pas qu'on se sente coupable, qu'on se sente restreint dans ce qu'on fait. Par exemple, il a tenu à refaire l'arbre généalogique de notre propre famille. Et c'est un cadeau qu'il nous a offert à moi et à mon frère. Et grâce à lui, je sais maintenant qu'on a des origines indiennes, africaines. Donc c'était une grande fierté pour lui de nous transmettre ce cadeau. Au-delà du tropique du Capricorne, dans l'océan Indien, à 900 km de Madagascar, l'île de la Réunion est un département français. Et c'est en tant que tel que nous l'avons considéré. Aussi, ce soir, vous ne verrez ni les palmiers du Barachois à contre-jour d'un coucher de soleil sur l'océan Indien dans la baie de Saint-Denis, ni les grands cirques montagneux du centre de l'île, ni les forêts de Tamarin, ni les abords lunaires du Piton de la Fournaise qui, réveillés ces jours-ci, n'est-il jamais endormi, épanche ses laves incandescentes jusque dans l'océan Indien. De la Réunion, pour vous décevoir peut-être, nous n'avons rapporté ni splendeur tropicale, ni musique, ni exotisme, ni même pittoresque, hormis peut-être ce brave omnibus brinque-ballant. La plus belle des mascareignes, surnommée jadis par ses découvreurs le Nouvel Éden, est aujourd'hui un département français affronté à de graves réalités. La Réunion, département français en 1946, demeure dans une situation post-coloniale quasiment jusqu'aux années 70. Sudel Fuma avait un rapport tout à fait sensible à la misère. Il avait côtoyé la misère. Il voyait la misère encore qui se vit sur l'île aujourd'hui. Il voyait bien les décalages qu'il pouvait y avoir entre toute une partie de la population. Il faut
faut bien se rappeler que l'histoire de la Réunion n'était pas enseignée. Ses études d'histoire sont pour lui un révélateur non seulement pour sa connaissance de l'île, mais pour la connaissance de sa propre vie. Mon papa me parlait, Gilles de Béard, il s'appelait, hein. Il essayait de nous donner une identité, mais il ne pouvait pas, parce qu'il ne savait plus du tout. Quand on m'a expliqué, il m'a dit, comme ça, papa, ben voilà, nous vient de Madagascar, nos ancêtres étaient malgaches. Ouais. Il a pleuré, et il a pleuré de joie. Oui, il oui, de content, savoir, voilà. Oui, oui. C'était quand, pour lui quand même de connaître. C'est, voilà, de, ça, c'est ça le besoin de la Réunion. Oui, oui. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que l'amène à moi à essayer de, d'aller vers Madagascar, vers l'Inde, vers l'Afrique, vers la Chine, vers tous les pays environnant l'océan Indien, pour comprendre et en même temps pour être mieux sur notre sol réunionnais, mieux dans nos baskets. Sa mort est apparue surprenante, voire troublante. Moi j'ai cru au départ qu'il y avait eu une machination, qu'on avait voulu l'éliminer. Après comme dit Bernard, ça quand son l'air. Mais après, un contexte comme l'était là, la situation était dedans, un peu bizarre quand même. Sudan ne pouvait pas prendre de risques comme ça, partir en mer en sachant qu'on annonce du mauvais temps. Et c'est là où je me pose tout un tas de questions. Quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup continuent à s'interroger. Sudan, c'était un personnage connu. Donc, automatiquement, quand on a su que c'était moi, les médecins m'avaient conseillé de ne pas parler à la presse. Non, il n'y a pas eu de menace. Dès la dilafée, oui, parce que les gens ne savaient pas ce qui s'était passé. Alors, cette sortie en mer se met en place par l'initiative de Sudel, en fait. Mylène m'appelle de la part de Sudel pour participer à, voilà, à cette journée de pêche, à cet après-midi de pêche. On se retrouve là pour aller à la pêche dans le but de tester un matériel, en fait. C'était un matériel qui venait d'acquérir, nouveau, un système qui permettait de pêcher à mi-profondeur. À la traîne. À ce moment-là, Jackie nous rejoint, puisqu'il y avait une autre personne aussi à bord de ce bateau. Jackie, qui est un ami à lui aussi, il doit être aux alentours, fin d'après-midi, aux alentours de 16 heures à peu près. Sudal n'était pas destiné à être ce qu'il a été. Cette maison, c'est notre berceau, c'est toute notre vie. Et c'est cette maison qui a forgé l'âme de Sudel. Il aimait cette maison. À chaque fois que je viens ici, ben je revois toute cette petite famille réunie ou sous le pied de pamplemousse qui était l'arbre de Noël. Là, les enfants assis sur les roches pour le repas. Je revois tout ça. Et je me souviens que sous le pied du hibiscus qui était là, dans l'angle de la cour, des cordons ombilicaux des nouveau-nés étaient enterrés. Et celui de Sudel, qui est né ailleurs, mais son cordon ombilical, son nombril, on a mis là, sous le pied du hibiscus. Et voilà, donc notre case, c'était vraiment une pauvre case, mais qui tenait bien. Elle était toute petite, elle est toujours. On l'a gardée quand même, elle est restée un peu telle qu'elle est. Et cette pièce, cette chambre, c'était la chambre. On dormait à six dans cette chambre. Et quand à la naissance de Sudel, il y a eu un deuxième lit, parce qu'on dormait tout le monde dans le même lit. Et à la naissance de Sudel, il y a eu un deuxième lit. Pour que les garçons dorment dans le deuxième lit et moi je dormais avec mes parents. Jusqu'à très tard. Thank you.
La mort de Sudel pour son île. J'ai souvenir d'une marche à la Nouvelle. On sentait l'homme passionné de son île et très enraciné. Même si Sudel avait beaucoup voyagé, a beaucoup voyagé dans sa vie, mais il était très attaché à son île. Si on lui posait une question sur les esclaves sur l'île, il était tellement passionné qu'on pouvait marcher 3 heures, il pouvait répondre pendant 3 heures. Et c'était vraiment un passionné. Ben, la volonté de Sudel, c'était de redonner aux Réunionnais, particulièrement ceux qui avaient été opprimés dans le passé, hein, et notamment les esclaves et les engagés, la fierté d'être. Hein. C'était son but premier. La Réunion, c'était l'essentiel pour lui. C'était son milieu de vie, c'était son île natale, c'était ce qui comptait le plus. Bien sûr, il ouvrait après sur l'océan Indien, hein, et c'est ce qui peut-être nous a rapprochés le plus tous les deux, parce qu'il a senti que chez moi, c'est pareil, j'étais amoureux de ma terre de Bretagne, un peu comme lui, quoi, accroché à nos terres natales, à nos racines. Je savais d'où il venait. Hein. Il est passé dans ce milieu familial modeste, en prenant son destin entre ses mains, pour aller vers d'autres horizons. Et ça qui est extraordinaire chez lui. Sudel Fima était donc un champion accompli pour son époque, puisqu'il courait les 800 mètres et 3000 mètres steeples avec une force extraordinaire, même si parfois il n'aimait pas trop les chaussures. Il a été retenu en 1979 et sélectionné pour participer au premier jeu des îles de l'océan Indien. C'était un battant aussi bien dans le sport que dans son travail de recherche. Sudel, en pratiquant le sport, a toujours eu cette ambition d'atteindre le sommet. Donc il ne s'agit pas de courir pour courir, mais d'être le premier. Et donc, il y avait ce feu de la transcendance. Alors ce feu, on le retrouve dans ses activités sportives. On le retrouve aussi lorsqu'il entreprend ses études universitaires, donc dans sa vie professionnelle. Et chaque fois qu'il entreprenait quelque chose, il essayait toujours de se donner les meilleurs moyens pour arriver au résultat. Et par exemple, pour communiquer, c'est quelqu'un qui a énormément utilisé l'image. Et donc, les films, le support image, donc c'est vraiment l'homme de son temps qui a utilisé tous les outils de la technologie moderne pour communiquer au mieux les informations, rendre agréable la présentation de l'histoire. Gilles. Eddie. À drapeau. Les esclaves de la révolte de Saint-Leu se donnent un emblème symbolique, révélateur sans doute d'une certaine prise de conscience politique. Comment ce drapeau à fond bleu et à croix blanche est-il arrivé sur les lieux de la bataille? Nul ne le sait. Mais cela a dû faire l'objet d'une réflexion, d'une préparation, de la part d'Élie, Gilles, Prudent et Pierre Noël, les leaders de l'insurrection. En s'affirmant ainsi autour d'un drapeau, les insurgés se posent en porte-parole de l'ensemble des esclaves de l'île. À la tête de cette révolte, il y a 16 esclaves créoles. Il y a aussi des malgaches, il y a des africains. Ces révoltés s'organisent bien avant la ravine du trou. En amont, ils avaient préparé cette révolte. 1, 2, 1, 1, 2. On essaie d'avoir la voix la plus claire possible. Jusqu'en 2010, l'histoire d'Élie n'était pas du tout connue. Jusqu'en 2010, on pensait qu'Élie avait été exfiltré par les Anglais et qu'Élie avait été un traître, qu'il avait fui au lendemain de la révolte du 8 novembre et qu'il avait abandonné ses camarades et qu'il était ensuite parti sur un navire envoyé quelque part en Inde. C'est faux.
Pourquoi ne connaît-on pas cette histoire d'Élie? N'a-t-on pas voulu qu'on sache cette histoire d'Élie? Peut-être parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un martyriat. Peut-être parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un héros qui sorte de cette histoire de l'esclavage et qui serve de modèle à droite. La commémoration de ce bicentenaire de la révolte de Saint-Leu est très, très, très importante. Très importante parce que les esclaves, les descendants d'esclaves, ont été privés d'histoire. Leur histoire a été occultée. Leur histoire a été effacée. Et c'est seulement aujourd'hui, 200 ans, presque jour pour jour, qu'on retrouve une page de ce passé très, très difficile, très, très douloureux, qui marque l'histoire de la Réunion et qui redonne sens. Sens à une histoire parce que la dignité de ces hommes est enfin mise à jour. La reconnaissance de cette histoire est enfin là. Et elle permet aux jeunes Réunionnais d'aujourd'hui de trouver des repères dans le passé. J'arrive donc à l'île de la Réunion en 1968 avec ce bagage que j'avais conservé depuis mon séjour en Afrique noire et à la Martinique. Et alors là, je suis stupéfait. Je suis stupéfait par plusieurs choses. D'abord, les programmes de l'université ne font aucune allusion à l'océan Indien et encore moins à l'île de la Réunion. Cet ensemble indien-océanique dans lequel nous baignons semble inconnu au niveau des programmes universitaires. Alors, je m'interroge, parce que j'avais connu quelque chose de tout à fait différent à la Martinique, et je propose, par chance c'est accepté, qu'on introduise donc dans l'enseignement une question qu'au début je mets au choix des étudiants, et dès la deuxième année, étant donné l'enthousiasme que cette question d'histoire régionale et locale avait soulevé, nous mettons la question comme enseignement obligatoire. Et donc, c'est dans les années 70 que je fais la connaissance de certains étudiants qui vont poursuivre ensuite leurs études comme chercheurs et devenir faire des carrières brillantes comme enseignants, d'une part Prosper Eve, d'autre part Sudal Fuma. Au moment où l'on commence à réaliser nos études d'histoire, le climat politique est assez, j'allais dire, malsain. On est dans une lutte entre deux groupes, un groupe départementaliste et un groupe autonomiste. Et le clivage est net, les relations sont difficiles, et tout ce qui pourrait être fait pour renforcer le courant autonomiste est forcément mal vu. Donc les cours qui pourraient être dispensés au Centre universitaire de la Réunion sur l'histoire de cet espace indien-océanique en général et de l'île Bourbon en particulier, eh bien, ces cours ne sont pas très appréciés. Alors là, il y a quand même un problème important qui se pose à moi, c'est que quand j'arrive à l'île de la Réunion et que je dis à quelques personnes que je rencontre que je voudrais continuer à travailler sur ces sujets de la société coloniale du 19e, 20e siècle, et en particulier de la question de l'esclavage, comme je l'avais fait à la Martinique, j'ai trois types de réactions qui m'ont beaucoup surpris. D'une part, des gens qui me disent « Écoutez, ça n'intéressera personne, vous allez perdre votre temps. » Deuxième groupe de personnes qui me disent « Non, non, surtout ne parlez pas de l'esclavage, ça va être une insulte pour les descendants des maîtres et pour les descendants d'esclaves. » Et un troisième groupe de personnes qui se montrent enthousiastes, qui me dit « Mais oui, oui, travaillez, on vous aidera, vous pourrez aussi nous aider. » Et je m'aperçois que c'est surtout des vues politiciennes qui sont en particulier exprimées par le Parti communiste réunionnais. Il y a un affrontement, enfin très connu, entre Michel Debré et le Parti communiste réunionnais, en particulier avec Paul Vergès. Paul Vergès dit « Nous voulons l'autonomie ».
Et Michel Debré, qui a un poids considérable, puisqu'il avait été très proche du général de Gaulle et qui, à ce moment-là, député de la Réunion, dit « ce n'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance ». Et Michel Debré avait été traumatisé par l'indépendance de l'Algérie, donc il craignait qu'il se passe la même chose à la Réunion. Et alors, certains enseignants qui avaient peut-être un peu trop fait de politique, enfin, du point de vue de Michel Debré et de ses représentants locaux, avaient été carrément expulsés de Lille. Donc, il fallait, sur ces questions, y aller avec quand même une certaine prudence. Le constat que l'on peut faire dans tout l'espace créole, notamment de l'océan Indien, arrive aux mêmes données. La mémoire de l'esclavage a été partout occultée par un silence partagé par toutes les composantes de la société, causé par une répugnance, hypothèse, à l'égard de faits inacceptables. Ces questions de fond, nous nous sommes posées, et notamment le caractère orienté des sources d'archives au profit d'un ordre colonial établi et puissant et au détriment de la majorité démographique et sociologique, celle des esclaves et des engagés, 80% de la population, et qui n'ont pas laissé de traces écrites. Sudel Fuma, je crois, a compris très, très bien l'enjeu qui se posait à nous. On peut dire que c'était révolutionnaire, mais révolutionnaire au sens scientifique du terme, c'est-à-dire pas du tout politiquement révolutionnaire. Il ne fallait surtout pas qu'on se laisse embrigader, accaparer par tel ou tel mouvement politique qui aurait profité des découvertes historiques qu'on aurait pu faire. Donc il fallait rester à la fois très vigilant sur une utilisation politicienne qui aurait pu être faite, mais en même temps foncer, aller courageusement dans l'édification de cette histoire pour sortir de l'histoire du silence et pour arriver enfin à faire parler ceux qui avaient été les acteurs d'une histoire mais qui n'était pas très reluisante. L'idée qui était exprimée souvent par ceux qui nous disaient « mais laissez tomber, d'ailleurs à la Réunion, l'esclavage ça a été une affaire de famille », cette espèce de mythe d'un esclavage heureux à la Réunion, qui était un mythe qui ne s'appuyait sur rien, mais qui était la volonté, au fond, de se réconcilier avec un passé dont on ne voulait plus entendre parler, et par conséquent, on l'imaginait heureux. Quand l'historien se penchait aussi bien sur la mémoire orale que sur les textes de l'époque, on se rendait compte que l'esclavage avait été une abomination, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, à la Réunion, comme dans tous les pays qui avaient connu l'esclavage. Tout le monde est content de cette sortie en mer, quoi. Et on a partagé un moment fabuleux au moment où on est parti. On était dans une bonne ambiance, comme d'habitude. La mer, rien de... Aucun signe, je veux dire, on était déjà sortis en mer plusieurs fois. Aucun signe qui nous permet de nous dire qu'il y a un danger, quoi. Vraiment aucun. À ce moment-là, une fois qu'on a fini ce préparatif-là, évidemment, on était en fin d'après-midi, donc la nuit commence à tomber. Et là, on décide de rentrer, parce qu'il commence à faire nuit. Donc on avait mis les lumières sur le bateau, et voilà, on décide de rentrer. Et donc, Sudel prend les commandes du navire pour rentrer. Donc on reprend la direction de l'entrée du port. Et puis tout d'un coup, on n'a rien vu venir, même Sudel, rien. Un gros choc sur le flanc gauche du bateau, mais violent à tel point que Jackie se retrouve tombé à l'intérieur du bateau. Et puis, mais rien encore de... Voilà, on se dit on a pris une vague, Jackie est tombé, enfin moi personnellement je l'aide à remonter là où il était assis. Je lui demande si ça va, s'il n'a pas cogné sa tête ou quoi que ce soit. Non, ça va, ça va. Et à ce moment-là, tout de suite derrière une autre. Et c'était un enchaînement comme ça. Jusqu'à ce que, ben oui, on perd contrôle de tout. De tout, ça tapait, mais d'une violence. Moi-même,
Enfin, c'est inimaginable, quoi. Vous avez l'impression de vivre des collisions à répétition, comme si deux voitures qui se tapaient en face, quoi. Mais à choc violent, jusqu'à ce que Sudal, à un moment donné, nous dit, ben, on n'en peut plus, le bateau est sur le côté, il n'a plus de moteur, il ne peut plus rien. Et donc là, on ne peut rien non plus. On avait peur de se faire coincer sous le bateau, si le bateau se retournait. Et puis la côte, on voyait les lumières de la côte. Papa était très passionné de pêche. Il avait une grande attirance pour l'océan, pour la mer. Son plaisir, c'était de pouvoir se retrouver en mer pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Il se disait toujours que si un jour il devait partir, s'il devait quitter ce monde un jour, ce serait en mer. Quelque part, c'était comme si j'avais un pressentiment. Et je savais qu'il partait à la pêche. Il était content parce qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas utilisé son bateau. Et il y avait quelqu'un qui était là, qui lui a dit « Mais Sudal, il ne faudrait pas partir à la pêche là parce que le temps n'est pas très bon. » Sudal dit « Mais mon bateau, il peut affronter une petite houle. » C'était un bateau à coque double, insubmersible. Et c'est vrai qu'on voit des fois des petites coques dans la houle, ça lutte, mais il n'y a pas de problème. Donc, il disait ça. Et moi, j'étais inquiète. On a sauté pour essayer de gagner la côte, puisqu'on voyait la côte n'était pas loin. On s'est dit, à la nage, on pourrait gagner la côte. La psy, elle me disait, mais c'est parce que vous étiez en sentiment d'insécurité à un moment donné que vous avez décidé de sauter. Il n'y a pas à se culpabiliser. Pendant longtemps, je me suis un peu culpabilisé dans le fait, si on serait resté dans le navire, quoi, pourquoi sauter? Parce qu'en fait, tout le monde a pris cette décision, même moi, à un moment donné, n'en pouvais plus, on saute. Sudal sort en premier, Jacqui en deuxième, moi en troisième. Et puis on se retrouve à l'eau. Et là, c'est... Voilà. Cette sensation, du coup, tu sautes, mais tant que t'es pas dans l'eau, tu sais pas ce qui t'attend, en fait. La sensation, moi, tout de suite, cette sensation de tomber dans le néant, en fait. Je tombe dans l'eau, mais le truc m'est tellement vaste que j'ai l'impression d'être tout petit et d'être dans un truc immense d'eau, quoi. J'ai une image d'une main dessus d'elle qui est partie en nageant, et Jacqui à côté. Et moi, pareil, du coup, on part, mais après, personne ne se voit plus, personne... Et donc, du coup, on se retrouve tout seul. Lorsque j'ai décidé de poursuivre mon doctorat en géopolitique, je lui ai demandé d'être mon co-directeur de thèse. Il a accepté. Et effectivement, son apport dans l'histoire de la Réunion est fondamental. C'était un universitaire, certes, mais qui sortait du cadre universitaire et qui allait sur le terrain. Je me rappelle quand on a découvert au cimetière marin les ossements d'un ancien cimetière d'esclaves, vous voyez bien la main dans la terre. Donc c'était un universitaire de terrain. Et également d'action par rapport à la mémoire qu'il voulait faire passer, puisqu'il a sillonné toutes les zones de peuplement majeures, et je pense notamment au Mozambique, parce que quand on parle du Mozambique, il a, au sein de l'association Historone, inauguré une stèle au Mozambique, justement, en mémoire à ses ancêtres africains réunionnais. Je pense notamment à Pondichéry, je pense à la Chine. La Réunion a besoin d'avoir
des personnalités universitaires, dans la recherche intellectuelle, véritablement ancrées dans cette terre réunionnaise. Il a donc décidé de mener un projet concernant la mise en place de stèles mémoire dans les pays d'origine. Parce que s'il y a eu des esclaves qui sont venus ici, ils viennent bien de quelque part. C'est un projet qui permet de resserrer les liens entre les pays de l'Indian-Océanie et de donner les marqueurs. Il est nécessaire de transmettre la connaissance historique au plus grand nombre parce que le Réunionnais doit se connaître. On ne se construit pas sur du vide. Mais je pense que c'est celui qui a réussi à sortir, à donner une certaine... à vulgariser, à donner une communication au grand public sur notre histoire commune. Et moi qui ai travaillé avec lui sur ce dernier voyage en Chine, je l'ai bien vu. Comment, d'une situation complexe au départ, nous avons réussi à mobiliser presque 200 personnes venant de toutes les îles de l'océan Indien pour, honorer et saluer cette immigration chinoise de l'océan Indien. Suzanne Fuma était certainement un anti-assimilationniste, hein. Tout en étant quand même dans la recherche quand même de l'histoire de France. Hein. Mais pour lui, l'histoire locale, l'histoire régionale, l'histoire de l'océan Indien était très très importante et il l'a démontré. Hein. En 2012, Suzanne Fuma s'intéresse tout particulièrement à l'affaire des ex-mineurs réunionnais transplantés. Suzanne me contacte en me disant « Nous allons réaliser avec William Cali un documentaire. » Dès 1999, je m'intéresse à cette affaire. On publie un ouvrage « Triste tropique de la Creuse » en 2004. Il me dit « Est-ce que tu peux venir sur Paris ?» pour participer à une interview, ce que j'accepte évidemment. Cette affaire est restée au niveau des individus, au niveau des histoires individuelles, alors que c'est une affaire d'État. Là, et c'est le nœud de l'affaire, il n'y a pas d'accord de ces enfants et de ces adolescents. C'est ma mère qui a mis le pouce, le doigt, hein, et sur le dossier, le doigt, et puis on voit juste une petite signature, elle ne savait pas écrire, rien. Je me demande qui c'est qui a... On a dû lui tenir la main, je ne sais pas. Et une fois qu'il avait fait ça, nous étions statut pupille de l'État. Alors, pupille de l'État, c'est quand normalement on n'a plus de parents, plus personne. C'est-à-dire là, on appartient à l'État. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, et c'est ce qu'ils ont fait. Que peut-on faire pour ces enfants qui ont été abandonnés dans les années 60, qui ont été enlevés, qui ont été déportés de leur île et qui ont perdu tout repère? Eh bien, je pense que la Réunion tout entière est responsable. Nos hommes politiques sont responsables. La société civile est responsable.
les religieux de l'époque sont responsables. Nous sommes tous collectivement responsables. Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une reconnaissance. Elle est indispensable. Elle est nécessaire pour permettre la cicatrisation de plaies qui ne se sont jamais fermées. On est aujourd'hui encore, pour beaucoup d'enfants, même si certains ont réussi à surmonter cette douleur, on est dans un état d'extrême souffrance. Nous avons été exilés, nous étions 6. Quand je suis partie à l'âge de 3 ans, toute la fratrie a été exilée. Nous nous sommes retrouvés à Guéret, dans la Creuse. Nous avons été séparés et pendant des années, je croisais mes frères et sœurs sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Et ça a duré pendant plus de 16 ans. Un an après, ma tante m'appelle et me dit « je suis à l'hôpital ». Ta mère, elle est très malade, elle est en phase terminale d'un cancer. Je dis bon, ben, pas de problème, passe-la moi. Et j'entendais un son râle en fait. On sent que c'est la fin. Elle me dit, dis-lui, écoute maman, je te pardonne parce que je sais que ce qui s'est passé, c'est pas de ta faute, c'est le gouvernement de l'époque qui a engendré tout ça. Et dans l'heure qui suit, elle est décédée. Et c'est ça que je reproche à beaucoup de gens, c'est de l'avoir fait souffrir en lui enlevant ses enfants et de m'avoir fait souffrir en n'ayant pas de famille et que c'est difficile. Mais ce que je vous tiens à vous dire, c'est que je suis soulagée aujourd'hui d'avoir pu m'exprimer devant vous. On va dire, je vais faire 54 ans. Après toutes ces années, merci à vous tous, en tout cas. Il fallait qu'un jour, j'aie cette opportunité. Sudel Fuma nous donnait de la force. Il nous disait, allez, il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Nous avons été reçus au ministère des Outre-mer à Paris, à la mairie de Paris, et je vois ce Sudel Fuma qui était là, mais à nous défendre avec hargne. C'était impressionnant. Et il était aussi là pour nous apaiser tous, puisqu'on avait toujours un petit peu peur de ce qui allait arriver, mais il savait nous apaiser. C'était un véritable ami. Et je crois que on ne peut pas décrire ce que l'on peut ressentir aujourd'hui. C'est tellement fort. Au moment où on sort, on n'a pas de gilet de sauvetage. Voilà. Simple raison que ça s'est passé tellement vite. Le gilet était situé à l'avant du bateau, en dessous, là où il y a le matériel de pêche aussi. Mais il y avait une telle violence, ça bougeait tellement, on était dans tous les sens. Les enquêteurs en fait, de la marine me disaient que c'est des vagues qu'on appelle scélérats, en termes de navigation. Et généralement, peu importe le navire, lorsqu'un navire croit à ce type de déchaînement en fait, de la mer, il est très difficile de s'en sortir. Donc, pour vous donner une idée de la violence à ce moment-là, du phénomène, impossible de réagir. J'avais juste les vagues qui arrivaient, je voyais une hauteur de vagues, mais je ne pouvais pas vous dire de combien de mètres, mais comme un immeuble qui se dressait et puis qui retombait. Pour se rabattre sur nous, quoi. Et là, pour vous donner une idée de la force de l'eau, j'étais appuyé, mais je descendais au fond par la force de la vague, et puis ça remontait. Quand ça remontait, j'ai essayé de retrouver ma respiration au-dessus. Et quand ça remontait, il y avait une autre vague qui arrivait. Et ainsi de suite. Personne ne se voyait plus. Le bruit de l'eau, être dans l'eau, la nuit. Non. J'ai juste entendu à un moment donné, puisque, entre deux vagues,
Je pense, et je ne suis pas sûr, je pense que c'était la voix de Jackie qui criait, qui a crié à un moment donné, au moment où elle est arrivée en surface, et tout de suite après plus rien. Moi, personnellement, je me voyais mourir. À un moment donné, je descends, j'ai plus de force. Tout d'un coup, sous l'eau, c'est comme si je me suis réveillé. Et là, je décide de remonter, de remonter, de remonter, mais avec le peu de... Voilà, je ne pourrais pas vous dire comment. Moi, j'ai juste eu la chance, à ce moment-là, qu'il n'y ait pas une deuxième. Une dernière, quoi. Le courant me tourne vers le large, en fait, et me tire vers le large. Donc, c'est fini, quoi. Là, je me dis, c'est fini. Je ne sais pas combien de temps je vais rester comme ça, mais c'est fini. Et là, coup de chance. Quand je me tourne, là, le courant qui me traîne vers le large, eh bien, écoute, je revois le bateau. Au large, qui flotte, mais qui est là. Cette plage représente pour Sudel ses origines, parce que toutes nos origines réunionnaises, qu'elles soient esclaves ou européennes, occidentales, partent de cette plage. Les gens sont arrivés ici, c'était la baie du meilleur ancrage, et la vie de chercheur de Sudel commence ici. Maintenant, je peux difficilement regarder la mer. Dès que je la vois, tout de suite, je vois mon frère en train de se noyer, de disparaître, quoi. Et surtout, je me demande à quoi, à qui il a pensé et qu'est-ce qu'il s'est dit quand il a senti qu'il n'allait plus pouvoir revenir. Et il n'y a rien à faire, je pense à ça, et c'est très dur. Une fois dans le bateau, impossible de retrouver quoi que ce soit au niveau des fusées, tout était, on était dans la nuit, imaginez, là je commençais à trembler. Un souvenir, Sudel attachait toujours sa clé avec quelque chose pour éviter justement si une mauvaise manipulation en mer, on fait tomber les clés ou quoi que ce soit du navire. Donc moi j'ai le souvenir d'avoir touché une corde et au bout je trouve la clé. Et donc j'essaie de démarrer le bateau. Le moteur démarre et du coup je décide de refaire un tour. Là où... J'ai pas de repère, mais là où je me suis dit on était à l'eau. En faisant ce tour, je crie, Sudel, je crie. Rien, jusqu'à ce que, à nouveau, la mer... Voilà, j'étais peut-être dans cette phase d'accalmie, hein, je sais pas, mais... Du coup, ce qui me fait prendre cette décision ensuite de partir et d'aller à télésecours rapidement, eh ben, c'est cette sensation de mer qui reprend et je me retrouve à nouveau en danger, de peur. Et oui, là, je remets le moteur pour aller vers le large, pour essayer d'échapper à la zone à nouveau. Et puis, je me dirige, mais alors là, à contre-cœur, vers le port, pour essayer d'appeler les secours rapidement, mais avec ce sentiment que je ne peux pas laisser des amis derrière. Et ça, par contre, ça, je pense que j'aurais du mal à l'effacer, parce que... C'est ce qui est le plus dur pour moi, en fait. C'est quelque part, j'ai abandonné des amis. Et je suis rentré. Thank you.
Quand je suis allé à l'hôpital, l'autopsie venait d'être terminée. Et le médecin légiste nous a fait lecture du rapport, donc des conditions de sa mort. Donc, et puis après, je me suis retrouvé seul à ses côtés. Et c'est là, j'avais envie de dialoguer avec lui. Lui demander, Sudal, qu'est-ce qui s'est passé? Sudal a laissé une œuvre. Il a laissé des écrits. Il a aussi laissé des films. Donc, il y a des éléments d'accroche de son action. Il faut qu'il reste dans les mémoires. Et c'est pour cela que la génération à venir doit s'approprier des travaux et des engagements de Sudal Fima pour poursuivre cela. Ce matériau est suffisamment solide pour qu'on puisse s'approprier le personnage et comprendre, analyser ce qu'il a voulu faire de plus profond pour l'île, parce qu'en fait, c'est son amour de l'île qui s'exprime. Et quand je dis l'île, bien sûr, je pense aussi à ses habitants. Et c'est cet amour de l'île qu'il faut aussi retirer à travers son action et à travers son engagement. Il pensait beaucoup aux autres de manière générale. Penser, étudier l'esclavage, etc., quelque part, c'est penser aux autres. C'est pour que ça ne se reproduise plus. C'est pour faire prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on a été, de ce qu'on peut devenir, etc. Donc, il pensait beaucoup aux autres et il ne faisait pas peut-être assez attention à lui. Déjà, j'y crois toujours pas. Et puis, je me dis, c'est pas possible que ce soit lui, quoi. C'est tout est chamboulé, quoi. Il y a plus, le temps s'est arrêté, en fait. Ce que j'ai envie de lui dire à Sudel, merci de ton œuvre, mais tu resteras de toute façon pour, je pense, pour une grande partie des Réunionnais, une icône, un homme à grand cœur, un humaniste, et je pense qu'on le remerciera jamais assez de tout ce qu'il a fait pour les Réunionnais. C'est un réconfort de savoir qu'il va rester dans nos mémoires. Ce que je voudrais lui dire, c'est que ben, je continue le combat. Aussi que je continue le combat et je continuerai à porter les Réunionnais au plus haut. C'est une chance pour nous de, et pour les Réunionnais de demain, les jeunes de demain, les enfants, de se rappeler qu'il y a eu ce combat de mener et peut-être ça fera inspirer d'autres personnes demain pour reprendre ce flambeau et qui, pourquoi pas, pourrait reprendre aussi ce travail demain.